parle de dégâts qui pourraient se faire ressentir pendant des décennies. Mais on ne peut pas rester insensible à ça parce que c'est crime contre l'environnement. C'est un gros, gros mal, mais moi je reste positive en me disant que enfin on va réagir et enfin on va arrêter de se laisser faire et on va ensemble travailler un avenir meilleur pour notre île. Il faut savoir que ce naufrage est arrivé vraiment dans la zone la plus sensible au niveau de Maurice, au niveau de la biodiversité marine, avec le parc marin de Gloubet, l'île aux Aigrettes et le site Ramsar de la zone humide de Pointe-Destinée. Donc on parle de dégâts qui pourraient se faire ressentir pendant des décennies par rapport à ce déversement. Donc quelque chose de très très difficile à vivre au niveau de l'environnement. Beaucoup de chagrin dans le cœur des Mauriciens. Beaucoup de tristesse et, par rapport à cet événement. Il y a l'effet immédiat qui est de voir effectivement des poissons qui meurent, des murènes qui meurent, le pétrole qui s'accumule dans les racines des mangroves. Il est clair que ce type de produit pétrolier qu'on appelle bunker oil en anglais ou fuel lourd en français, ce type de carburant a des effets très très toxiques sur la biodiversité marine, modifiant le système endocrinien, créant des irritations et la mort de pas mal d'espèces. Si on va commencer par le plus important, enfin par une composante importante pour moi, la santé humaine, il faut savoir que quand j'étais sur place au moment du déversement, l'odeur est vraiment insoutenable. Et sachant que ce type de produit peut causer des cancers, je crois qu'il faut impérativement mettre en place un système de veille sanitaire. Non seulement par rapport aux populations côtières, puisque les habitations sont situées directement, presque au bord de l'eau, on va dire. Donc tous ces gens qui ont respiré, toutes ces familles qui ont respiré ces vapeurs toxiques cancérigènes, donc il y aura certainement l'apparition de cancers dans ces régions dans les années à venir. Il y a certains éléments du produit, des produits pétroliers qui sont toxiques comme des métaux lourds et comme certaines toxines qui vont dissiper dans la colonne d'eau et qui vont venir se déposer sur le fond de la mer, affectant les coraux, le sable et tous les organismes qu'ils contiennent. Il faut savoir qu'aussi que sur certaines plages de sable aujourd'hui, en enlevant les couches de pétrole, on se rend compte que l'eau qui remonte en dessous est contaminée. Ça veut dire que la nappe souterraine, donc l'aquifère et tous les organismes qui sont contenus dans le sable, les vers, les crabes, etc., peuvent être aussi contaminés. Donc je crois que ce sont des effets qui sont là pour durer, ce sont des effets qui seront là dans le long terme. C'est une catastrophe qui ne fait que commencer et qui ne fait que se développer et dont on verra les différents visages au fur et à mesure que le temps va passer. Une fois ces grandes chaussettes remplies, ben voilà notre bouée qui va être transportée dans le sud et déposée dans la mer. On est venu toute une bande de citoyens aider à fabriquer des boudins flottants. Dans lesquels on met de la paille de canne à sucre pour aspirer l'huile qui se dépose sur l'eau, dans le lagon. Tout a dégringolé, une course contre la montre s'est installée et on a compris qu'on allait devoir s'entraider entre nous et il y a pas mal de groupes privés qui se sont lancés dans cette confection de bouée et dès le lendemain, on était très très nombreux à apporter notre aide comme on pouvait. Et ce qui est très encourageant à voir, c'est qu'en quelques jours, il y a une expertise qui s'est installée. Ils ont reçu des conseils d'experts en la matière. Et aujourd'hui, ben, ce n'est pas juste des bouées qui sont en train d'être faites, mais c'est plusieurs ateliers. Chacun sait exactement ce qu'il doit faire pour confectionner ses bouées.
avec des différents sacs. On va remplir avec de la paille de canne à sucre et des bouteilles bien fermées pour que ces boudins puissent flotter. On enfilera ces différents sacs dans les gros boudins et chacun a son rôle à jouer. C'est-à-dire que moi, par exemple, ce matin, j'étais en train de tirer les premiers boudins. Il y en a d'autres qui vérifient que toutes les bouteilles étaient bien fermées pour qu'elles puissent flotter ensuite. Il y en a qui sont en train de remplir des sacs avec la paille. Il y en a qui sont en train de vérifier que le travail est bien fait. Il y en a qui sont en train de fermer les différents boudins. Donc, ce qui est top, c'est qu'on s'écoute et on fait confiance à l'autre pour vérifier que le travail est bien fait. Et puis, ça monte comme ça. Je trouve que c'est super beau à voir parce que on ne reste pas les bras croisés. Et dans des moments difficiles comme ça, on réagit pour pouvoir s'adapter aux changements qui se passent. Le naufrage est quelque chose de tragique, mais je pense que c'est aussi une super opportunité pour avancer, pour mieux avancer à l'avenir et pour arrêter d'accepter des choses qui sont peut-être pas faites pour le bien de tous, notre environnement et puis nous, les habitants de l'île Maurice. Donc c'est un gros, gros mal, mais moi je reste positive en me disant que enfin, on va réagir et enfin, on va arrêter de se laisser faire et on va ensemble travailler un avenir meilleur pour notre île. Quand le bateau est rentré, le bateau est resté sur le banc de sable, ok, pendant plus de 14 jours. Après que, à partir du 11e jour, qu'ils ont commencé à réagir. Donc, à partir du 14e jour, c'est là qu'ils ont commencé à aller sur le bateau. Et vous savez, quand un bateau part sur un banc, dans les 3 jours à venir, soit vous enlevez l'eau, soit vous essayez de sortir du récif. Parce que sinon, on appelle ça le talonnement, donc c'est automatique qu'il va s'ouvrir. Mais logiquement, ce qui se passe quand un bateau, comme je dis, comme ça, un naufrage, tout de suite, c'est le directeur du shipping qui prend les commandes. Il doit réagir. Parce que ce qui s'est passé, un bateau est rentré, on n'a pas eu la communication, le capitaine n'a pas répondu, personne n'est allé voir qu'est-ce qui se passe. Ni la garde côte, ni les unités spécialisées. Donc, on ne peut pas attendre un bateau qui peut échouer, on attend, on attend, on attend. Donc, il veut dire qu'il y a eu un manquement à la sécurité intérieure, il y a eu un manquement dès le départ. Parce que je suis descendu tout de suite sur les lieux. Donc, il y a des amis plongeurs qui sont partis essayer de mettre des bouées autour pour essayer de contenir l'huile. Mais malheureusement, on fait avec les moyens de bord. Mais encore une fois, c'était l'absence des gardes-côtes. Ce sont les volontaires qui sont allés mettre des bouées en premier et pas les gardes-côtes. Il y a des gens qui sont venus du quatre coins du pays pour venir aider. C'était la solidarité mauricienne. Et même, ils ont fait des bouées artisanales. C'était la débrouillardise mauricienne qui a aidé à contenir tout ce problème-là et non les autorités. Mais maintenant, il faut gérer ça. Il faut voir aussi l'après-marée noire, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'il y aura comme accompagnement, surtout accompagnement au niveau des personnes qui sont là, des petits commerces, des pêcheurs, des plaisanciers, des plongeurs, donc des surfeurs, comme si ceux qui gagnent leur pain par rapport aux activités de la mer. Et maintenant aussi de l'autre côté, aussi avec d'autres personnes, comme ceux qui préparent les casiers, donc vous avez toujours des deux côtés, mais ça se voit un effet quasiment important sur les économies. Donc là, il va falloir prévoir un service d'accompagnement. Hein. C'est la tristesse et la colère qui règne parmi la société civile. Quand on regarde de quelle façon ils sont inertes, la façon avec quelle légèreté ils ont traité ce sujet-là, mais il est temps qu'à Maurice que, et même au niveau le gouvernement, il doit commencer à assumer leurs responsabilités. S'il faut qu'il aille en deuil, il faut qu'il aille en deuil pour négligence ou tout ça. J'ai déjà lancé comment on dit ça, des procédures judiciaires, pénales au pénal et au civil, contre tous les acteurs de ce chaos. Y compris, j'ai déjà logé une plainte contre le ministre de l'Environnement, le ministre de la Pêche. Hier, j'étais contre le capitaine des bateaux, mais la semaine prochaine, je vais venir avec des poursuites au civil et des poursuites privées. Mais on ne peut pas rester insensible à ça parce que c'est crime contre l'environnement. Quand je me descends là,